Bah, comment faire, Joseph? Oui, c'est pas très simple. Tu vis chez tes parents, ton copain aussi. Maintenant, vous vous aimez, vous êtes majeur, vous êtes adulte, vous travaillez, vous avez parfaitement le droit. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver, il faut essayer de trouver des moments en dehors de l'ESAT, peut-être des vacances ou des congés. Puis, il faut essayer vraiment de convaincre vos parents de votre amour, mais surtout du fait que vous êtes des adultes qui pouvez faire vos propres choix. Peut-être que des éducateurs, des moniteurs d'atelier à l'ESAT peuvent aussi vous aider. Tu veux vraiment te marier, mais non, tu ne dois pas accepter. Visiblement, c'est quelque chose d'important pour toi, cette question de la fidélité, et on peut le comprendre. Là, visiblement, vous n'avez pas les mêmes projets de vie. Jusqu'à maintenant, tu as accepté. Pour te marier, tu peux pas. Et effectivement, quand on a des projets de vie si différents, c'est très compliqué de se dire que vous pouvez vous marier avec une telle divergence, différence entre vous deux. Donc, il faut que vous en parliez et il faut que lui aussi y fasse un choix. Mais Stéphanie, moi, je ne sais pas si tu as envie de le quitter ou de lui pardonner. En tout cas, si lui, il veut pas avouer, comme tu dis, quelque chose qu'il aurait fait pendant les vacances, moi, je vois deux raisons à ça. Soit c'est pas vrai, soit il a vraiment envie de rester avec toi, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie que tu le quittes. Donc maintenant, c'est aussi à toi de savoir si vraiment tu as besoin de tout connaître de sa vie, tout le temps, et peut-être dans un coup, parfois, il y a des choses qu'on ne dit pas. Après, cette question de tromper, elle est importante. Et c'est important que vous en parliez tous les deux, parce que c'est une valeur qui compte dans un couple, dans beaucoup de couples. Donc il faut que vous puissiez en parler tous les deux, être au clair avec ça. Bonjour Alice. Je ne sais pas non plus si c'est bien. En tout cas, ça ne se pose pas en bien ou mal. Ils ont l'air gentils, ces garçons, ils t'offrent des cadeaux. Je ne sais pas ce que tu dois faire. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Alors, c'est pas une question de morale si on a envie d'avoir deux copains. Mais c'est pas très simple. Déjà, un copain, parfois, c'est pas simple. Alors, deux, tu vas peut-être te compliquer la vie. Et puis surtout, est-ce qu'eux, ils sont au courant tous les deux? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que tu es sûr que ça provoque pas de problème de jalousie entre eux? Tu sais, les relations à trois, souvent, c'est pas très facile. Donc, à toi de voir, et puis aussi à eux. Parfois, quand on veut deux copains, on finit par plus en avoir aucun.